des précisions sur ces meurtres sont fournies en annexe. Autre acte inhumain. Entre le 4 août 1995 et le 15 novembre 1995, un grand nombre de Serbes de Krajina ont été soumis à des traitements inhumains, humiliants et dégradants de la part des forces croates qui leur infligeaient des sévices corporels et faisaient usage de la violence à leur égard. Subsidiairement, l'accusé, Ante Gotovina, savait ou avait des raisons de savoir que les forces placées sous son contrôle effectif étaient en train de commettre ou avaient commis des actes décrits au paragraphe 21 à 26 ci-dessus, notamment puisque des représentants de la communauté internationale l'en avaient informé. L'accusé Ante Gotovina n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que de tels actes ne soient commis ou pour impunir les auteurs. Par ses actes et omissions, l'accusé Ante Gotovina s'est rendu coupable de chef 1, persécution pour des raisons politiques, raciales et religieuses, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5H du statut du tribunal, lu en conjonction avec les articles 7.1 et 7.3. Chef 2. Meurtre. Entre le 4 août 1995 et le 15 novembre 1995, les forces croates ont tué au moins 150 Serbes de Krajina qui ont été exécutés par balles ou à l'arme blanche et qui ont péri par les flammes. Le présent acte d'accusation modifié fait spécifiquement référence au meurtre d'une personne dans la municipalité de Benkovac, de 30 personnes dans la municipalité de Knin et d'une autre personne dans la municipalité de Korenica. Des précisions sur ces meurtres sont fournies en annexe. Entre le 4 août 1995 et le 15 novembre 1995, l'accusé Ante Gotovina savait ou avait des raisons de savoir que les forces placées sous son commandement effectif étaient sur le point de commettre ou avaient commis les crimes décrits au paragraphe 28 susvisé à l'encontre des Serbes de Krajina. L'accusé Ante Gotovina n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que de tels actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs. Par ces actes et omissions, l'accusé Ante Gotovina s'est rendu coupable de chef 2, meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre reconnue par l'article 3.1a commun des conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal, lu en conjonction avec son article 7.3. Chef 3, pillage de biens. Entre le 4 août 1995 et le 15 novembre 1995, les forces croates ont systématiquement pillé les biens appartenant aux Serbes de Krajina, y compris leurs maisons, dépendances, granges et bétail dans les villes, les villages et les hameaux des municipalités de Benkovac, Donji Lapac, Drniš, Gospić, Gračac, Knin, Korenica, Obrovac, Šibenik, Sinj et Zadar. L'accusé, Ante Gotovina, agissant seul et ou de concert avec d'autres membres de l'entreprise criminelle commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter ces actes de pillage.
subsidiairement, l'accusé Ante Gotovina savait ou avait des raisons de savoir que les forces placées sous son commandement effectif étaient sur le point de commettre ou avaient commis les actes décrits au paragraphe 30 susvisé. L'accusé Ante Gotovina n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que de tels actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs. Par ses actes et omissions, l'accusé Ante Gotovina s'est rendu coupable de chef 3, pillage de biens publics ou privés, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3e du statut du tribunal, lu en conjonction avec les articles 7.1 et 7.3. Count 4. Chef 4. Destruction sans motif de villes et de villages. Entre le 4 août 1995 et le 15 novembre 1995, les forces croates ont systématiquement incendié ou de toute manière détruit les villages, maisons, dépendances et granges appartenant aux Serbes de Krajina, abattu leur bétail et pollué leurs puits. Des milliers d'habitations situées dans les municipalités de Benkovac, Donilapac, Drniš, Gospić, Gračac, Knin, Korenica, Obrovac, Šibenik, Sinj et Zadar ont été détruites. L'accusé Ante Gotovina, agissant seul et ou de concert avec d'autres membres de l'entreprise criminelle commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter ces actes de destruction. Subsidiairement, l'accusé Ante Gotovina savait ou avait des raisons de savoir que les forces qui étaient placées sous son commandement effectif ou lui étaient subordonnées étaient sur le point de commettre ou avaient commis les actes décrits au paragraphe 33 susvisé. L'accusé Ante Gotovina n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que de tels actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs. Par ses actes et omissions, l'accusé Ante Gotovina s'est rendu coupable de chef 4. Destruction sans motif de villes et de villages, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3b du statut du tribunal, lu en conjonction avec ses articles 7.1 et 7.3. Chef 5 et 6. Expulsion et déplacement forcé. Entre le 4 août 1995 et le 15 novembre 1995, les forces croates ont commis de nombreux actes de violence et d'intimidation à l'encontre des Serbes de Krajina, pillant et détruisant leurs biens, les contraignant ainsi à fuir le sud de la Krajina. Ces actes visaient à dissuader ou empêcher ceux qui avaient déjà fui immédiatement avant ou pendant l'opération Tempête, parce qu'ils redoutaient le déclenchement d'un conflit armé, de retourner chez eux. Ces actes d'intimidation et de violence se sont soldés par l'expulsion et ou le déplacement de dizaines de milliers de Serbes de Krajina vers la Bosnie-Herzégovine et la Serbie. L'accusé Ante Gotovina, agissant seul et ou de concert avec d'autres personnes,
dont Ivan Tchermak, Mladen Markač et le président Franjo Tudjman, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter ces expulsions et déplacements forcés de la population serbe de Krajina. Subsidiairement, l'accusé Ante Gotovina savait ou avait les raisons de savoir que les forces placées sous son commandement effectif étaient sur le point de commettre ou avaient commis les actes décrits aux paragraphes 36 et 37 susvisés. L'accusé Ante Gotovina n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que de tels actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs. Par ses actes et omissions, l'accusé Ante Gotovina s'est rendu coupable de chef 5. Expulsion, un crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5D du statut du tribunal, lu en conjonction avec ses articles 7.1 et 7.3. Chef 6. Autres actes inhumains. Déplacement forcé. Un crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5I du statut du tribunal, lu en conjonction avec ses articles 7.1 et 7.3. Chef 7. Autres actes inhumains. Entre le 4 août 1995 et le 15 novembre 1995, les forces croates ont soumis un grand nombre de Serbes de Krajina à des traitements inhumains, humiliants et dégradants en leur infligeant des sévices corporels et en faisant usage de la violence à leur égard. Entre le 4 août 1995 et le 15 novembre 1995, l'accusé Ante Gotovina savait ou avait des raisons de savoir que les forces placées sous son commandement effectif étaient sur le point de commettre ou avaient commis les actes décrits au paragraphe 40 susvisés. L'accusé Ante Gotovina n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que de tels actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs. Par ses actes et omissions, l'accusé Ante Gotovina s'est rendu coupable de chef 7. Autres actes inhumains, un crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5I du statut du tribunal, lu en conjonction avec son article 7.3. Exposé des faits. La République de Croatie a proclamé son indépendance le 25 juin 1991, date à laquelle un conflit armé avait déjà éclaté dans certaines régions de Croatie entre les Serbes de Croatie, les Serbes de Krajina et les forces croates. En septembre 1991, les Serbes de Croatie et l'armée populaire yougoslave, la JNA, étaient maîtres d'environ un tiers du territoire de la République de Croatie. Le 19 décembre 1991, l'Assemblée de la région autonome serbe de la Krajina, de concert avec des Serbes d'autres régions de la République de Croatie, déclarait officiellement son indépendance vis-à-vis de la Croatie et créait une nouvelle entité appelée la Republika Srpska Krajina, la RSK, laquelle était dotée de sa propre force militaire, l'armée serbe de la Krajina, ou SVK. La région de la Krajina, comprenant les secteurs sud et nord des anciennes zones protégées, était située dans la RSK et englobait sans s'y limiter les municipalités de Benkovac, Donilapac, Drniš, Gospić, Gračac,
Knin, Korenitsa, Obrovats, Šibenik, Sinj et Zadar. En février 1992, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies établissait sous son autorité, comme le prévoyait le plan Vance, une force de protection des Nations Unies, la FORPRONU, qui devait être déployée dans les zones protégées en Croatie. Il s'agissait de zones où les Serbes étaient en majorité, où constituaient une minorité importante, et où les tensions entre les deux communautés avaient déjà débouché sur un conflit armé. Les zones protégées étaient au nombre de 4, les secteurs nord, sud, est et ouest. Dès 1992, l'armée croate élaborait des plans pour reprendre par la force le territoire de la RSK. En 1992, 1993, et 1994 et 1995, les forces croates ont lancé plusieurs opérations militaires à cette fin. Ces opérations ont été lancées contre les zones protégées ou contre les zones roses limitrophes. En juin 1992, contre le plateau de Miljevački. En janvier 1993, contre la zone du pont de Maslenitsa dans le nord de la Dalmatie. En septembre 1993, contre la poche de Médak. En mai 1995, l'opération Éclair en Slavonie occidentale. Et en août 1995, l'opération Tempête. Ivan Čermák est né le 19 décembre 1949 dans la municipalité de Zagreb, en République de Croatie, qui faisait alors partie de la République socialiste fédérative de Yougoslavie. En 1990 et 1991, Ivan Čermák occupait le poste de vice-président du bureau exécutif de l'Union démocratique croate, le HDZ, et il était également conseiller du président Franjo Tudjman. En 1991, Ivan Čermák a été nommé ministre adjoint à la Défense dans le gouvernement de la République de Croatie, fonction qu'il a exercée jusqu'en 1993. À cette époque et par la suite, il avait le grade de lieutenant général. En 1993, il a été nommé ministre du Commerce, des Chantiers Navals et de l'Énergie. Ivan Čermák a cessé de faire partie du gouvernement croate en décembre 1993. Le 5 août 1995, le président Franjo Tudjman a nommé Ivan Čermák commandant de la garnison de Knin. Le 5 ou le 6 août 1995, Ivan Čermák a établi son quartier général dans cette ville. En sa qualité de commandant de la garnison de Knin, et en vertu des pouvoirs qu'il tenait du président Franjo Tudjman, devant lequel il était directement responsable, Ivan Čermák a exercé de droit comme de fait, à compter de sa nomination, le contrôle d'une partie des forces croates opérant dans le sud de la Kraïna pendant l'opération Tempête et pendant la période qui a suivi celle-ci. Ivan Čermák exerçait plus particulièrement un contrôle effectif sur les unités de la police spéciale du ministère de l'Intérieur de la République de Croatie et sur certains éléments de la HV, notamment la police militaire et l'administration civile. Et par leur intermédiaire, il avait sous son contrôle une bonne part des secteurs dans lesquels ont été commis les crimes reprochés dans le présent acte d'accusation.
Le 15 novembre 1995, ou vers cette date, le commandement de la garnison de Knin a été repris par l'adjoint d'Ivan Tchermak. Mladen Markač est né le 8 mai 1955 à Đurđevac, dans la municipalité de Đurđevac, en République de Croatie, qui faisait alors partie de la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Diplômé de l'université de Zagreb en 1981 et libéré de ses obligations militaires en 1982, Mladen Markač s'est alors engagé dans les forces de police du ministère de l'Intérieur de la République socialiste fédérative de Yougoslavie. En 1990, Mladen Markač a créé avec d'autres personnes une unité spéciale de police au sein du ministère de l'Intérieur. Il a été nommé commandant second de cette unité, qui est devenue l'unité antiterroriste vers la fin de 1990. En 1991, Mladen Markač a été nommé commandant de l'unité antiterroriste Lučko. Et il a été promu au rang de major général de réserve en 1992. Le 18 février 1994, Mladen Markač a été nommé commandant des forces du MUP de la République de Croatie. Pendant la période qui a suivi l'opération Tempête, Mladen Markač avait le grade de lieutenant général. En sa qualité de commandant de la police spéciale du MUP de la République de Croatie, pendant et après l'opération Tempête, Mladen Markač a déployé les forces de la police spéciale. Il leur a donné des ordres et a, de toute autre manière, exercé un contrôle sur celle-ci. Le président, merci, Madame la greffière. Je souhaite m'assurer d'avoir raison sur un point. En annexe de l'acte d'accusation modifié, il n'y a qu'une seule annexe. Est-ce exact, Monsieur Whiting? Dans l'acte d'accusation initial, il y en avait deux. Or, dans l'acte d'accusation modifié, nous n'avons qu'une seule annexe qui a trait aux chefs 2 et 3. Il s'agit de la liste révisée des victimes et nous n'avons pas l'autre annexe qui concernait les chefs 4 et 5. Monsieur Whiting, c'est exact. Une petite précision. Le résumé de l'acte d'accusation initial et de l'acte d'accusation modifié était très utile. L'acte d'accusation original a été rendu public le 26 juillet 2001. Il y a donc eu un acte d'accusation public dressé contre cet accusé depuis plus de 4 ans. Le président, merci d'avoir souligné cela. Je vais parler de l'annexe de cet acte d'accusation modifié. La raison pour laquelle je ferai cela est qu'il s'agit d'un tribunal spécial qui s'intéresse tout particulièrement au rôle joué par les victimes en vertu du mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce tribunal a pour objectif de contribuer à la réconciliation sur le terrain entre les différentes communautés de l'ex-Yougoslavie. Nous pensons donc qu'il est très important que les familles des victimes présumées sachent qu'elles n'ont pas été oubliées par ce tribunal. Il s'agit de l'annexe à l'acte d'accusation modifié qui a trait aux chefs 2 et 3. Il est question de plusieurs villages et hameaux. Je vais en parler rapidement. On précise dans cette annexe la date à laquelle le meurtre allégué a eu lieu, le nom de la victime, son sexe, l'âge lorsque cette donnée est disponible et la cause du décès. Je commencerai par la municipalité de Benkovac, village de Kakma, 9 août 1995. Un homme
non identifié a été tué par balle dans la municipalité de Knin, dans le village de Duric, le 6 août 1995, ou vers cette date. Sava Duric, un homme, a été tué par balle à Charena Jezera, le 5 août 1995. Miloš Borjan, un homme, a été tué par balle. Suivent 6 victimes de sexe masculin non identifiées qui ont toutes été tuées par balle. À Jagrovic, entre le 5 et le 12 août 1995, une femme du nom de Milka Petko, âgée de 70 ans, a été tuée par balle. Ilya Petko, un homme âgé de 45 ans, a été tué par balle. Dmitar Rachuo, un homme âgé de 81 ans, a été tué par balle. Djuro Rachuo, un homme âgé de 40 ans, a été tué par balle. Une personne non identifiée, dont le sexe n'est pas connu, a été tué par balle également. Dans le village d'Ouzdolie, le 6 août 1995, les personnes dont je vais mentionner le nom ont toutes été tuées par balle. Milica Charé, une femme. Stevo Beric, un homme âgé de 62 ans. Yania Beric, une femme âgée de 62 ans. Miloš Čosić, un homme dont l'âge n'est pas connu. Yandria Charé, une femme. Djuka Beric, une femme. Et Kersta Charé, une femme également. Djuka Beric était âgée de 75 ans lorsqu'elle a été tuée par balle. À Kakagne, entre le 10 et le 18 août 1995, Danica Charic, une femme. Uroš Charic, un homme, a été tué par balle. Uroš Ognjenović, un homme, a également été tué par balle. À Orlitch, le 13 août 1995, ou vers cette date, Tode Maric, un homme, a été tué par balle. À Auton, le 18 août 1995, une dénommée Marta Vujonic, âgée de 85 ans, a été tuée par balle. À Grubori, le 25 août 1995, un homme du nom de Miloš Grubor, âgé de 80 ans, a été tué par balle. Jovo Grumor, un homme également âgé de 65 ans, a été tué par balle et a été égorgé. Maria Grubor, une femme âgée de 90 ans, a été brûlée. Mika Grubor, une femme âgée de 51 ans, a été tuée par balle. Et enfin, Djuro Karanovic, un homme âgé de 45 ans, a été battu puis tué par balle dans la municipalité de Korenica à Komić. Le 12 août 1995, une femme appelée Mara Ugarković, âgée de 74 ans, a été tuée par balle. Monsieur Gotovina, veuillez vous lever. You have the following options. Voilà les choix qui s'offrent à vous aujourd'hui. Vous pouvez décider, lorsque je vous demanderai de plaider coupable ou non coupable, de plaider effectivement coupable ou non coupable pour les 7 chefs d'accusation dont je vous ai donné lecture. Vous pouvez également plaider coupable ou non coupable à une date ultérieure, mais dans un délai de 30 jours suivant l'audience d'aujourd'hui. Vous pouvez également garder le silence, auquel cas, dans 30 jours à compter d'aujourd'hui, si vous décidez toujours de garder le silence, je prendrai en votre nom
note d'un plaidoyer de non-culpabilité pour les 7 chefs d'accusation qui vous ont été lus. Je souhaite savoir si vous avez eu la possibilité de discuter de cela avec votre conseil de permanence et si vous êtes prêt à plaider coupable ou non coupable aujourd'hui. Est-ce que vous préférez le faire à une date ultérieure ou préférez-vous garder le silence ? Monsieur le Président, j'ai parlé avec mon conseil et je suis prêt à plaider aujourd'hui. Thank you. Je vous remercie. The first count that you are charged with. Le premier chef d'accusation dont vous devez répondre, vous avez entendu Madame la greffière d'audience lire ce chef, est celui de persécution pour des raisons politiques, raciales et religieuses, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5H du statut du tribunal. Dont vous êtes tenu pénalement responsable à titre individuel sur la base de l'article 7.1 du statut et en tant que supérieur hiérarchique sur la base de l'article 7.3 de ce même statut. Plaidez-vous coupable ou non coupable du chef de persécution ? Monsieur le Président, je plaide non coupable. Thank you, Mr. Gotovina. Je vous remercie, Monsieur Gotovina. Le deuxième chef dont vous devez répondre est celui de meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionné par l'article 3 du statut du tribunal. S'agissant du chef 2, meurtre, vous êtes tenu pénalement responsable en tant que supérieur hiérarchique. Plaidez-vous coupable ou non coupable du chef de meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre ? Monsieur le Président, je plaide non coupable. Je vous remercie, Monsieur Gotovina. Le troisième chef d'accusation est celui de pillage de biens publics ou privés, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionné par l'article 3E du statut du tribunal. S'agissant de ce chef d'accusation, vous êtes tenu pénalement responsable sur la base de l'article 7.1, c'est-à-dire à titre individuel, et sur la base de l'article 7.3, c'est-à-dire en tant que supérieur hiérarchique. Souhaitez-vous plaider coupable ou non coupable du chef 3 ? Monsieur le Président, je plaide non coupable. Je vous remercie, Monsieur Gotovina. Au chef 4, il vous est reproché la destruction sans motif de villes et de villages, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3B du statut du tribunal. Vous êtes tenu pénalement responsable du chef 4 sur la base de l'article 7.1 et de l'article 7.3 du statut, c'est-à-dire que votre responsabilité pénale est engagée à titre individuel et en tant que supérieur hiérarchique. Plaidez-vous coupable ou non coupable du chef 4 ? Monsieur le Président, je plaide non coupable. Je vous remercie, Monsieur Gotovina. Au chef 5, on vous reproche l'expulsion, un crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5D du statut du tribunal. Pour ce qui est de ce cinquième chef d'accusation, expulsion, vous êtes tenu pénalement responsable sur la base des articles 7.1 et 7.3 du statut, c'est-à-dire à titre individuel et en tant que supérieur hiérarchique. Comment souhaitez-vous plaider ? Coupable ou non coupable du chef 5, expulsion, un crime contre l'humanité ? Monsieur le Président, je plaide non coupable. Merci. Le chef 6 est celui d'autres actes inhumains, déplacement forcé, un crime contre l'humanité sanctionné par article 5I du statut du tribunal. Vous êtes tenu pénalement responsable de ce crime à titre individuel sur la base de l'article 7.1 du statut.
et en tant que supérieur hiérarchique sur la base de l'article 7.3 du statut. Souhaitez-vous plaider coupable ou non coupable du chef 6 au tract inhumain, un crime contre l'humanité? Monsieur le Président, je plaide non coupable. Je vous remercie. Le dernier chef d'accusation est celui d'au tract inhumain, un crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5i du statut du tribunal. Vous êtes tenu pénalement responsable en tant que supérieur hiérarchique sur la base de l'article 7.3 du statut. Plaidez-vous coupable ou non coupable du chef 7 de l'acte d'accusation? Monsieur le Président, je plaide non coupable. Le Président, merci. Vous pouvez vous rasseoir. Madame la greffière d'audience, je souhaite que vous preniez note du fait que l'accusé, suite aux questions posées par le président de la Chambre, a plaidé non coupable à chacun des sept chefs d'accusation qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation. La greffière d'audience, oui, Monsieur le Président, le Président. Monsieur Gotovina, conformément à l'article 62 bis de notre règlement de procédure et de preuve, il est de mon devoir de vous informer également du fait que, si vous le souhaitez, vous pouvez changer votre plaidoyer de culpabilité, à savoir plaider coupable à la place de la du plaidoyer de non-culpabilité à l'égard de l'ensemble de l'acte d'accusation ou bien à l'égard de certains des chefs d'accusation dont on vous a donné lecture. Cela dit, je vais rapidement mettre fin à cette comparution initiale en soulignant les points suivants. Je vais maintenant procéder à la nomination d'un juge de la mise en état. Ce sera peut-être moi, et ce juge va prévoir une conférence de mise en état d'ici 120 jours. Ceci se fera conformément à l'article 65 bis du règlement de procédure et de preuve de ce tribunal. Le but de ces conférences de mise en état est double. Tout d'abord, il s'agit de donner l'occasion au juge de la mise en état et à la chambre de la mise en état de permettre aux parties de s'organiser et faciliter la préparation rapide du procès. Et puis, deuxièmement, le juge de la mise en état aura l'occasion de vous voir en personne et de s'assurer que vos droits sont entièrement respectés et que vous êtes bien traité par les membres de notre personnel et ceux qui sont au quartier pénitentiaire, de même que par votre conseil, et afin de vous permettre de nous informer de toute plainte ou requête de votre part. Et vous serez informé de la date exacte de la conférence de mise en état le moment venu. Mais puisque vous êtes nouveau devant ce tribunal, je souhaite vous informer du fait que nous sommes assez fiers du fait que nous avons un quartier pénitentiaire modèle en ce qui concerne le respect des droits des accusés. Vous aurez l'occasion de vous en assurer et de faire votre propre appréciation de cela. Et vous verrez à quel point ce que je viens de dire était exact. Et puis, je vais également donner des instructions au greffe, Monsieur Holthaus, de fixer une date du procès au moment approprié. Bien sûr, entre le jour d'aujourd'hui et la date fixée, il y aura plusieurs conférences de mise en état, et tout dépendra de la rapidité de ce stade de mise en état.
et de ce stade de préparation. Entre-temps, à moins qu'il y ait une ordonnance allant dans le sens contraire, vous resterez en détention conformément à l'ordonnance que j'ai signée ce matin. Mais comme je vous ai déjà indiqué, d'après l'article 65, vous avez le droit de déposer une requête afin de la mise en liberté provisoire. Et je suis sûre que le conseil qui sera nommé vous aidera dans ce sens. Et puis je souhaite également attirer votre attention sur un autre article du règlement auquel on fait référence rarement lors de la comparution initiale, à savoir que le procureur peut demander d'avoir un entretien avec vous. Rien ne l'empêche. Et d'après l'article 63, je vais vous le lire pour que vous puissiez prendre connaissance de vos droits au cas où le procureur cherchait à obtenir un entretien avec vous. Dans l'article 63, il est question de l'interrogatoire de l'accusé. Et il y est stipulé l'interrogatoire d'un accusé par le procureur, y compris après la comparution initiale, ne peut avoir lieu qu'en présence de son conseil, à moins que l'accusé n'ait volontairement et expressément renoncé à la présence de celui-ci. Si l'accusé exprime ultérieurement le désir de bénéficier de l'assistance d'un conseil, l'interrogatoire est immédiatement suspendu et ne reprendra qu'en présence du conseil. Je vais vous lire le paragraphe B à présent. L'interrogatoire ainsi que la renonciation à l'assistance d'un conseil sont enregistrés sur bande magnétique ou sur cassette vidéo, conformément à la procédure prévue à l'article 43. Préalablement à l'interrogatoire, le procureur informe l'accusé de ses droits, conformément à l'article 42A3. Et au fond, je vais parler brièvement. À ce stade, le procureur ou un membre du bureau du procureur sera tenu de vous informer tout d'abord de votre droit de garder le silence et du fait que toute déclaration que vous déciderez éventuellement de faire sera enregistrée et peut être utilisée lors du procès. Je suggère que vous vous adressiez à l'officier en charge du quartier pénitentiaire afin que le greffe puisse mettre à votre disposition un exemplaire du règlement de procédure et de preuve et du statut de ce tribunal dans votre langue. Ces documents existent dans votre langue et je pense qu'ils vous seront utiles afin de vous permettre de mieux comprendre nos règles de procédure. Et puis, je souhaite vous dire, lors de cette comparution initiale, que vous, Monsieur Whitenick, au nom de l'accusation et conformément à l'article 66A1 de notre règlement de procédure et de preuve, eh bien, vous êtes tenu de mettre à la disposition du Conseil de la Défense dans une langue comprise par l'accusé toutes les pièces jointes de l'acte d'accusation recherché au moment de sa confirmation. Et ceci doit être fait d'ici 30 jours. Et j'apprécie bien sûr le fait qu'aujourd'hui, nous avons devant nous seul un conseil de permanence. Donc, strictement parlant, nous n'avons pas le véritable conseil de la défense. Celui-ci n'a pas encore été nommé, mais je pense que ceci se fera d'ici quelques jours. Monsieur Gotovina, en ce qui concerne ce que je viens de mentionner à l'égard de l'accusation, vous et votre conseil de la défense, conformément à l'article 72A, vous disposerez alors d'un délai de 30 jours dans lequel vous devrez
déposer toute exception préjudicielle souhaitée suite à toutes les pièces jointes que vous recevrez conformément à l'article 66, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je suppose que les mesures ont déjà été prises afin de commencer des discussions avec vous au sujet de la nomination d'un conseil de la défense qui vous représentera lors la préparation du procès. Et je suis sûr que d'ici là, votre conseil de la défense vous aidera. Si entre-temps, vous avez besoin d'une aide, d'une assistance juridique, je peux vous référer au commandant du quartier pénitentiaire où vous pouvez vous adresser directement au greffe ou à son adjoint. Et je vous assure que vous constaterez qu'ils seront tout à fait prêts à vous aider. Afin que je mette fin à cette comparution initiale, est-ce que vous souhaitez soulever un quelconque point au nom de l'accusation, Monsieur Whiting? Monsieur Whiting, non, sauf que je souhaite dire que le bureau du procureur est tout à fait conscient de ses obligations et nous allons communiquer rapidement toutes les pièces jointes. Le président, oui, merci beaucoup. Et inutile de dire que la communication faite en vertu de l'article 66 doit être effectuée dans une langue que l'accusé comprend. Monsieur Gotovina, vous allez quitter ce prétoire prochainement. Vous êtes ici depuis quelques jours. Je souhaite savoir si vous souhaitez soulever un quelconque point. Et puis, je souhaite savoir également si depuis votre arrestation et votre transfert à la haie, si vous avez été traité correctement et si vous souhaitez soulever un quelconque point. Si vous souhaitez le faire, faites-le. Je vous en prie. L'accusé. Monsieur le Président, non. Tout va bien. Je vous remercie. Right, thank you. Le Président, très bien, merci. Vous pouvez vous asseoir. Puisqu'il n'y a pas d'autres points à soulever, ni d'autres questions dont il faudrait traiter, je déclare cette comparution initiale terminée. Je vous remercie.